Cette année, Inch'Allah, il y a une production suffisante pour le marché local. Et même, on pourra même dire qu'on est ambitieux pour l'export sur le marché africain, une partie déjà, parce qu'on a déjà placé nos produits et qui sont, alhamdoulilah, considérés comme des produits de grande qualité comparé avec ce qui est importé d'autres origines. Pour les stocks, les machines, les matières premières, vous avez pu voir ce que nous avons ici, la production. On travaille 11 mois sur 12, donc on a une double équipe. Alhamdoulilah, on a de quoi suffire le marché marocain. Depuis que l'enquête a été dirigée et les résultats sont tombés, alhamdoulilah, on est plus serein sur notre marché. On a pu investir plus, on a ramené plus de machines. Cette année, on est à 5 nouvelles machines. Au niveau du personnel, le recrutement, là, on était à 70 il y a peut-être 5 ans. Là, on est à 230. Inch'Allah, 2020, on sera à 300 éléments, et notamment dans Enaf, dans la préfecture de Mdiouna. Alhamdoulilah, on a beaucoup de gens qui travaillent ici. On est très bien placés. C'est possible qu'on travaille sur l'Afrique parce que normalement on a de bonnes relations avec les pays africains, d'autant plus que le traçage que nous exerçons au Maroc est francophone, donc on travaille sur l'Afrique de l'Ouest et notamment les pays francophones, et en plus on a une très bonne qualité. Et là, on est en train de démarcher d'autres pays européens qui ont des distributions de cartes dans les pays africains avec qui nous avons déjà commencé la distribution transitoire. On a une équipe d'infographistes, de chercheurs en designers pour les tendances de chaque année. Et la marque Bleu Marine se positionne très bien sur le marché parce qu'il y a un très bon rapport qualité-prix. Et on est placé dans toutes les grandes surfaces du Maroc. D'ailleurs, vous allez les trouver dans les plus grandes surfaces et qui nous font confiance. Et là, on est en train de dire qu'on est, au top des qualités. Et il n'y a pas besoin d'acheter un cahier qui va coûter 10 fois plus alors qu'on a la même qualité avec un prix très, très abordable. Il faut que le client et le client consommateur final puissent avoir la possibilité de décider lui-même. Il n'a qu'à prendre la qualité, voir le prix, voir le traçage. Il n'a pas besoin de payer 5 fois, 6 fois le prix parce que c'est importé de X ou X origine. Un cahier, quand il est bien, ça se voit à l'œil nu. Donc on n'a pas besoin d'être dirigé par X ou Y.